Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Koulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'éliminer des adversaires avec le Kamehameha. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra le Kamehameha. Le Kamehameha, vous allez pouvoir le trouver dans des petites capsules de Corporation comme vous le voyez sur le gameplay. Donc il y en a qui tombent toutes les 2-3 minutes sur la map de Fortnite. Ou alors vous allez sur la petite île de Tortue Géniale, là où il y a le personnage Bulma qui vous en vend. Et vous lui en achetez un tout simplement. Donc voilà, quand vous avez la possibilité d'obtenir votre Kamehameha, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire. Donc je vais vous présenter 2 astuces. Donc déjà la première astuce, c'est de prendre un nuage et un Kamehameha. Ensuite, quand vous avez un adversaire devant vous qui se cache ou que vous n'avez pas vu, prenez de la hauteur avec votre nuage. Ensuite, switchez sur votre Kamehameha et ensuite attaquez de hauteur. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et ce sera beaucoup plus difficile pour l'autre de se cacher. Et en plus de ça, après, il faut faire juste attention que lui ne vous touche pas en l'air parce que voilà. Mais normalement, comme vous êtes en l'air, ça devrait lui rendre un peu plus la tâche un peu plus difficile. Après, là, j'étais vraiment à découvert. Donc, c'est un peu délicat quand même de rester trop longtemps en l'air. Enfin bref, si vous n'arrivez vraiment pas à tuer un adversaire de cette façon-là, ce que vous faites, c'est que vous allez en duo, section ou trio. Vous mettez un adversaire par terre. Donc, quand il est en PLS, voilà, il est en train de ramper. Et à ce moment-là, vous le finissez avec votre caméra. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le louper parce que tout simplement, il sera en PLS. Donc voilà les 2 solutions pour réaliser ce défi. Il faut savoir que vous avez juste à tuer 3 ennemis. Enfin voilà, juste, enfin il faudra en tuer 3 pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.